Takut transféré à raison de 400 millions de dollars par an à l'étranger. Création d'un collectif pour traquer l'argent des oligarques algériens. Europe, qui ouvre et qui ferme ses frontières avec l'Algérie. Coronavirus, l'Algérie a-t-elle perdu le contrôle ? À raison de 400 millions de dollars par an, révélation sur l'astronomique somme transférée par Takut à l'étranger. Le procès Takut continue à être riche en révélations aussi surprenantes les unes des autres. Ainsi, outre le préjudice causé au trésor public, estimé par ce dernier à 309 milliards de dinars, une nouvelle révélation porte sur la somme transférée par Mahieddine Takut vers l'étranger. Selon ce que rapporte le site Algérie 360, dans son édition de ce jeudi 9 juillet, c'est au rythme de 400 millions de dollars par an de 2015 à 2019 que le patron de TMC a transféré ses avoirs en devises vers l'étranger. Soit l'astronomique montant de 1,198 milliards de dollars, ni la destination, ni la manière dont ces sommes ont été transférées, ni même les noms de complices qui ont dû intervenir pour effectuer ces transferts n'ont été communiqués, 24 milliards en Suisse, 50 milliards en France, selon une estimation faite par divers acteurs, plus de 100 milliards de dollars ont été transférés vers plusieurs pays du monde sur les 5 continents durant les 20 années de règne de Bouteflika et son clan sur l'Algérie. L'avocat Maître Bellocine avait estimé en 2019 le montant transféré en Suisse à près de 24 milliards d'euros. En France, une évaluation avait été révélée dans un livre paru en 2015, signé par deux journalistes d'investigation français, Christophe Dubois et Marie-Christine Tabette. Ils avaient estimé le montant transféré vers les banques françaises par de nombreux oligarques et hommes politiques algériens à 50 milliards d'euros. 24 milliards en Suisse, 50 milliards en France, Maître Bellocine crée un collectif pour mener une traque mondiale de l'argent des oligarques algériens. Ils sont avocats, médecins, ingénieurs ou encore artistes. Ils vivent tous en Europe ou en Amérique et ont décidé d'agir. Ils se sont donné une mission, traquer l'argent sale des oligarques algériens dans les banques suisses et dans de nombreux autres pays. Après la plainte déposée en Suisse par deux Algériens, Maître Lachimi Bellocine et le docteur Aïssa Boudrama, pour le gel des avoirs de Bouteflika, et celle du journaliste résident aux USA, Shafik Bendesmia, visant l'argent volé par plusieurs oligarques, des Algériens se sont regroupés autour d'un collectif international nommé « Les Algériens sans frontières ». En Suisse, cette traque est menée par le même avocat qui avait déposé la plainte en Suisse contre Bouteflika, Maître Lachimi Bellocine. Ce dernier explique dans un reportage d'Euronews le système mis en place qui a permis de transférer pas loin, selon lui, de 24 milliards d'euros. D'après les estimations du collectif, le chiffre le plus sérieux est de 24 milliards. Et il n'y a pas que moi qui l'avance. Plusieurs ONG dans le monde évoquent également un demi-milliard par an. En 2015, deux journalistes d'investigation français, Christophe Dubois et Marie-Christine Tabette, publiaient « Paris-Alger, une histoire passionnelle ». Selon les révélations parues dans le livre, des noms aussi sales et corrompus que Selal, Bouchouareb, Saïdani, Mohamed Chérif Abbès, Chérif Ramani sont évoqués. En tout, et pour ce qu'ils ont pu recenser, plus de 50 milliards d'euros volés des caisses de l'État ont été transférés en France entre 1999 et 2015. Europe, qui ouvre et qui ferme ses frontières avec l'Algérie. L'Union européenne a émis, mardi 30 juin, une liste de pays sûrs, avec lesquels elle recommande à ses membres d'ouvrir leurs frontières. L'Algérie figure dans cette liste, qui sera mise à jour toutes les deux semaines. Cependant, ces indications de l'Union européenne n'offrent aucune assurance concernant l'ouverture des frontières des pays européens pour les ressortissants algériens. Plusieurs pays ont annoncé leur décision. Qui ferme ses frontières avec l'Algérie ? L'Espagne a décidé de fermer ses frontières avec l'Algérie. Les frontières vont rester fermées au moins jusqu'au 31 juillet, d'après le média espagnol El País. Madrid évoque des problèmes de réciprocité, l'Algérie ayant gardé ses frontières fermées. L'Allemagne a retiré l'Algérie de sa liste de pays autorisés à entrer sur son territoire, et ce après évaluation de l'état de l'épidémie du coronavirus en Algérie. La République tchèque et la Hongrie ont aussi fermé leurs frontières à l'Algérie. Le Danemark maintient la fermeture de ses frontières jusqu'au 31 août.
certaines exceptions s'appliquent par exemple pour les ressortissants étrangers qui ont un permis de travail valide ou bien un permis de résidence danois. La Belgique refuse d'ouvrir ses frontières à l'Algérie, estimant que ce n'est pas une destination sûre sur le plan sanitaire. La France a également exclu l'Algérie de la liste des pays avec lesquels elle ouvre ses frontières. L'annonce a été faite hier jeudi par le consulat de France à Alger. Là encore, la décision est liée à des considérations sanitaires. Qui ouvre ses frontières avec l'Algérie? L'Italie a annoncé le 2 juillet la décision d'ouvrir ses frontières à tous les pays figurant dans la liste établie par l'Union européenne. La Suède a aussi ouvert ses frontières à l'Algérie, autorisant tout type de voyage. À compter du 13 juillet, la Finlande autorisera les déplacements professionnels et voyages essentiels à partir de l'Algérie. Les ressortissants étrangers, y compris les Algériens, peuvent entrer en Croatie pour affaires, tourisme ou pour d'autres raisons personnelles urgentes, s'ils fournissent des preuves pertinentes, explique Kayak.fr. La Grèce a ouvert ses frontières à plusieurs pays considérés sûrs, y compris l'Algérie. La Suisse compte rouvrir ses frontières avec l'Algérie le 20 juillet prochain, appliquant ainsi les instructions de l'Union européenne en ouvrant ses frontières avec la liste des 14 pays proposés. L'Estonie a rouvert ses frontières avec 14 pays, dont l'Algérie, et pour tous les ressortissants de pays tiers qui souhaitent venir en Estonie pour des raisons professionnelles ou bien pour les études. Malgré les instructions de l'Union européenne quant à l'ouverture des frontières, la situation en Europe reste floue. Plusieurs pays ont émis leurs propres restrictions, ce qui rend difficile l'établissement d'une liste définitive de pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager en Europe. En Algérie, les frontières restent fermées, donc aucun voyage n'est possible. Des vols de rapatriement sont programmés pour les étrangers bloqués en Algérie. Les frontières terrestres ont aussi été partiellement ouvertes pour permettre le rapatriement de ressortissants tunisiens vers leur pays. Nous allons voir, en fonction de notre capacité, de notre crainte de voir les chiffres augmenter, si nous devons ouvrir les frontières ou non, avait déclaré le président Abdelmadjid Tebboune dans une interview à France 24. Coronavirus, l'Algérie a-t-elle perdu le contrôle? La propagation du coronavirus en Algérie a pris des proportions inquiétantes. La situation semble échapper au contrôle des autorités, qui n'arrivent pas à endiguer la pandémie, plus de 3 mois après son apparition en Algérie. Plusieurs wilayas du pays connaissent une recrudescence grave de cas positifs, après le déconfinement progressif décidé par le gouvernement. Cette situation donne lieu à des interrogations sur les capacités du gouvernement à gérer cette crise sanitaire. En effet, les mesures prises par ce dernier ont montré leurs limites. Les hôpitaux sont saturés, les moyens humains et matériels manquent cruellement. Le gouvernement reste cependant dans l'expectative et les discours rassurants, en contradiction avec la réalité du terrain. Ainsi, la situation s'aggrave de plus en plus dans certaines wilayas du pays, à l'instar de Sétif et de Biskra. Le système de santé n'arrive plus à répondre aux besoins des citoyens dans cette conjoncture, où les chiffres de contamination explosent. Des citoyens postent chaque jour des vidéos montrant l'état de délabrement dans lequel se trouvent les hôpitaux du pays, notamment les services dédiés au coronavirus. De plus en plus de médecins, interpellant les citoyens, s'expriment pour alerter sur la gravité de la situation. On peut ajouter à cela les informations qui font état du manque d'oxygène dans certains hôpitaux. Plusieurs responsables des services des soins au niveau des hôpitaux ont tiré la sonnette d'alarme sur la hausse des contaminations et la capacité d'accueil des centres hospitaliers. Ils révèlent que la situation devient de plus en plus inquiétante. Zoubir Rekik, directeur général de CHU Nafissa Rekik, ex-Parnay, à Alger, a indiqué, lors de son passage sur la radio chaîne 3, « Nous sommes engagés contre un ennemi dangereux et invisible ». Il ajoute, « Nous avons constaté que ces derniers jours, il y a une virulence horrible de ce virus, et nous sommes passés à un plan B. » Face au manque de moyens, Zoubir Rekik appelle les citoyens à se responsabiliser sur la situation qui risque de dégénérer. Le professeur Belkacmi, chef du service Covid-19 au CHU ex-Parnay, abonde dans le même sens. Le service du traitement du Covid-19 affiche complet avec 18 malades admis et d'autres qui attendent leur admission. Le professeur révèle aussi que plusieurs malades, parfois lourds, sont soit orientés à des soins à domicile, soit à d'autres hôpitaux. Ce constat est valable pour plusieurs autres hôpitaux du pays, notamment ceux de Sétif et Biskra, dont le personnel de la santé ne cesse d'alerter l'opinion publique sur leur situation dramatique.
Face à la dégradation de la situation et les débordements, le pays n'a pas encore atteint les chiffres qu'ont connus plusieurs pays. Les experts exhortent les citoyens à respecter la distanciation sociale, ainsi que le port de la bavette. Les médecins et tout le personnel de la santé appellent à une réaction urgente des autorités pour éviter la catastrophe. Ces derniers remettent en cause le déconfinement progressif, ainsi que la lenteur des autorités dans la prise de décision. Ils appellent à lancer de larges campagnes de sensibilisation et à éviter les discours trop rassurants, à un moment où même, les pays disposant des meilleurs systèmes de santé se disent en état de guerre. Ces spécialistes préconisent, aussi, de sévir contre les récalcitrants. Par ailleurs, le personnel de la santé appelle les pouvoirs publics à mettre à la disposition des hôpitaux les moyens nécessaires pour faire face à la pandémie et mettre fin au problème du manque d'oxygène. Face à la dégradation de la situation épidémiologique dans la wilaya de Sétif, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territorial a décidé de durcir le confinement dans beaucoup de communes de la wilaya. Il s'agit de Sétif, El Oulma, Aïn Azel, Aïn Oulmen, Aïn El Kbira, Aïn Arnat, Biradada, Beïda Borj, Bazer Sakra, Geltazerg, Aïn Roi, Aïn Ladjar, Beni Wassine, El Ourissia, Aïn Abassa, Ksar El Abtal et Gelal. Ces communes sont soumises à un couvre-feu de 13h à 5h pendant 15 jours. La même décision a été prise pour la wilaya de Ouargla. L'ensemble des communes de cette dernière seront soumises à un confinement partiel de 17h à 5h le lendemain. Cette décision a été prise ce jeudi 9 juillet par le ministère de l'Intérieur. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.